Brother me. One guy. J'ai commencé à HB2 avec Yasmine Ramani, Radon Ramani, Abdelaziz Tahar, donc c'est nos anciens. Premier groupe vraiment c'était HB2 Junior. La plupart des gars que j'ai rencontrés, avec qui je danse maintenant, qui ont fait partie de KLP, ils ont tous commencé à HB2. Un petit peu partout, on faisait des galas de fin d'année, je me souviens d'une année où on a fait plus de 20 représentations, donc pour des jeunes c'est déjà comme si tu étais un peu dans ce métier-là. Et puis à côté de ça on faisait quelques battles. Et un jour dans un battle, on nous avait sollicité pour venir faire un 6 contre 6, je crois. Et le moment venu, il n'y avait pas assez de personnes pour faire des équipes. Et donc du coup, les organisateurs nous demandent de diviser les équipes en deux. Et c'est là que le nom de KLP est sorti. Bon, je passerai exactement comment il est sorti, mais voilà, c'est là qu'il est sorti. Je prenais ça comme un sport au départ. Et après, au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que c'était un art et une danse, quoi. Et une culture. On a commencé à travailler dans le milieu associatif à l'aide d'Abdelaziz Tahar qui avait monté C-West. On a fait des projets au nom de C-West, donc on était la compagnie C-West. Et entre temps, en parallèle, on faisait des battles. Et les battles, on les faisait sous le nom de KLP. Nous, on a monté une structure hip-hop en se disant on va se donner 3 ans pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et finalement, au bout d'une année, on s'est rendu compte qu'on avait déjà à peu près tous les outils en main. Dans le sens où on a monté une espèce d'école de danse virtuelle, dans le sens où on n'avait pas un spot où on donnait des cours, on allait sur différents lieux. Mais au bout du compte, ça faisait 15 heures de cours de danse par semaine, comme une école de danse, enfin en tout cas comme un prof. On n'avait pas forcément cette ambition-là, mais il y a un concours de circonstances qui a fait qu'on nous a repérés, on nous a proposé de faire la première partie d'une des plus grosses troupes françaises qui s'appelle Vagabond. Donc qui était déjà à l'époque bien cotée, ils se retrouvaient à jouer leur spectacle Chienne de vie, on nous a demandé de faire la première partie. Et en 2 semaines, on a monté un spectacle, qu'on a monté presque dans la rue. Et on s'est retrouvé à faire 2 soirées de suite la première. Et concrètement, ça a été un sacré décollage, puisque là, il y avait quelqu'un qui nous a remarqué, qui s'occupait en fait de gérer les inscriptions d'un concours chorégraphique amateur qui avait lieu dans le festival Art Rock à Saint-Brieuc. Un mois plus tard, on se retrouve à faire ce concours-là et on le gagne. Après, on a décidé de prendre notre envol au nom de KLP. On est parti, on a fait notre projet. De vouloir vivre de la danse. Et là, un peu la particularité de KLP, c'est que c'est à la fois une compagnie et un crew. Donc, tout ce qui est show, création et événementiel, c'est tout ce qui fait partie de la compagnie KLP. Et tous les battles, les entraînements, tout ça, c'est ce qui fait partie du crew. Je danse avec les KLP, ce qui fait de moi un KLP. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait de moi un KLP. Parce qu'on danse ensemble, on s'entend bien, on est des amis, et puis voilà, c'est ce qui fait un groupe en fait. Donc administrativement, je tenais la compagnie et sur l'écriture des projets, on était parfois à 2 à écrire. Au tout début, on a commencé en écriture collective, après on était 2 et au fur et à mesure, je suis devenu le chorégraphe de la compagnie. Sauf que comme on n'aimait pas trop cette étiquette-là, on a appelé ça directeur artistique. T'as envie de développer la scène hip-hop, t'as envie de montrer ta vision de la danse aussi à travers tes événements. Donc c'était quelque chose de cool. La musique, l'art plastique, toutes ces choses-là, j'estime qu'il faut être un peu curieux de tout, pas hésiter à aller à la rencontre d'autrui, parce que chaque personne peut nous inspirer à sa manière, la lecture, beaucoup bouquiner, apprendre son histoire, c'est mieux comprendre là où on va. Donc, Welcome to Fox 5, everybody.
Somebody got a self, I just might spare one and give a brother a fair one. Stay alerted on fees, and I do work with these like Hercules. Switch to southpaw, switch to right jaw, cause I don't like y'all, I'm hype for nightfall. Smooth, but I move like an army. Pull a few down, face brothers try to bomb me. La danse, ça nous a toujours permis de voyager. Pour moi, c'est quelque chose où t'es, t'es un peu dans la perdition, t'es dans la perte de repères, tu vois. T'arrives et finalement, ce sur quoi t'as posé t'es habitué à fonctionner d'une certaine manière, bah dans un voyage, tu vas perdre tous ces repères-là. Ça resitue tout le monde, ça te resitue toi, tu te découvres encore une autre façon d'appréhender les choses, tu t'ouvres. Mon premier voyage, c'était avec KLP HB2. On était encore HB2 Junior, c'était en 2000, on est parti au Chili pour une tournée. Selon l'environnement, tu break pas comme un japonais, comme un russe, comme un, voilà. Chacun utilise sa culture et son vécu personnel. Ça m'a influencé au niveau de tous les styles que j'ai vus, même si y a un style, la base de base, c'est le style ricain. C'est pas qu'un développement au niveau de la danse, c'est dans le style de ta danse, c'est dans le développement aussi perso, tu vois, t'as une ouverture après. Si ta mentalité évolue, je pense que ta danse, elle évolue forcément. Et nous, c'est vrai qu'on a bien travaillé pendant des années à installer quelque chose ici, avoir une base solide et en même temps être capable d'être un peu partout. Et puis au-delà de ça, tu rencontres des gens qui font que tu crées des connexions, c'est des étrangers, ils t'invitent, tu les invites. Une solidarité que j'ai jamais vue autre part. Quoi. Aller dans des pays où je connaissais personne, où je demandais juste un contact pour m'entraîner par exemple, les gens ils étaient hyper occupés pour venir s'entraîner, pour chiller après, pour sortir, faire visiter un peu. Le plus important pour moi, c'est le respect, tu vois. Le voyage m'a appris ça, tu vois. M'a appris que j'ai rencontré des mecs qui pratiquent un style de danse que j'aime pas du tout, en break, un truc comme ça. En apprenant à les connaître, tu te dis, en fait, le mec il est cool et t'en as rien à foutre, en fait, de comment il danse. Yasmine qui nous a un peu enseigné comment le monde du spectacle, comment faire du spectacle, comment se placer sur une scène et tout. Puis du temps, par exemple, moi j'ai travaillé avec des chorégraphes contemporains, ça m'a permis de voir d'autres choses, puis d'apprendre réellement le métier d'artiste en théâtre. Avec Tour of Duty, on a fait dernièrement une tournée aux États-Unis, à Washington et à New York. La pièce a été vachement bien accueillie. Sinon, la plupart des pièces, elles ont tourné un peu partout dans les théâtres en France. Il y a Cyclone aussi qui a été fait un peu partout en France et on l'a fait une fois à Londres. La création, ça aide beaucoup en fait à vivre de la danse parce que ça te donne le statut d'intermittent. Il faudrait peut-être tous les gagner pour arriver à te faire un salaire par mois, c'est hyper difficile. On l'a fait, moi je l'ai fait personnellement. Maintenant j'ai envie de me tourner vers autre chose. La danse pour moi c'est ma passion. Et des fois quand tu mélanges ta passion avec le travail, ça fonctionne pour certaines personnes. Pour d'autres ça fonctionne un peu moins. Et c'est ma passion, c'est aussi un moyen de s'évader un petit peu du réel, du monde de tous les jours. Et quand tu mélanges les deux en fait, t'as plus ta passion, t'as plus ton moyen de t'évader en fait. Et c'est moi je sais que j'aime avoir une séparation entre le monde professionnel et le breakdance. Si t'as une passion, tu peux tout faire en fait. Et c'est ce qu'on a prouvé avec KLP, tu vois. On est parti de rien et on est devenu une compagnie conventionnelle triannuée tripartite. On a obtenu des subventions de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, donc l'État clairement, tu vois, le ministère de la Culture. On a eu un article dans Le Monde de KLP, où ton nom il est dedans, tu vois, par une des plus grandes critiques de danse française, donc on peut dire mondiale, clairement, parce que la culture danse France est très forte. Enfin, on a un parcours qui montre qu'on était à la hauteur de nos espérances. N'hésitez pas à faire des battles, que ça soit un petit, un grand, qui ait rien à gagner. Au moins, ça forge. Tu rôdes tes passages, tu rôdes ta personnalité. C'est là où tu vois la différence entre un mec qui a de l'expérience et quelqu'un qui c'est son premier battle. Parce qu'un battle, ça se termine. T'as beau avoir fait des battles pendant 2-3 ans, t'as pris une habitude, il suffit que t'arrêtes pendant 6 mois et c'est pas comme le vélo, tu vois. Donc ça se perd très très vite, tu reviens à zéro. Donc
tu sais pas si tes trucs ça va marcher et tout. Sur ce sujet-là, je répondrai à une chose que m'a dit Maurizio, Rocksteady Crew, c'est que trop de battles, ça va niquer le breakdance. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, ils veulent tous être meilleurs les uns que les autres. Donc en fait, ils viennent tous jouer sur le même terrain. Un groupe qui va gagner les battles parce qu'ils sont hyper techniques et ils ont des putains de combinaisons. Et bah tout le monde, pour gagner le battle, va essayer d'être encore plus technique et d'aller faire encore plus de combinaisons. Donc en fait, au lieu que le breakdance, il s'ouvre et qu'il y ait de plus en plus d'inspirations diverses, vu qu'ils veulent tous la même chose, c'est gagner, et bah ils vont se ranger sur les mêmes critères. La propreté, la notion de rythme, le rapport à la musique, et ensuite le degré de technicité de ton breakdance. C'est sûr que quand en face de toi, ton jury, c'est l'adjoint au maire à la culture, le mec qui a organisé l'événement et la prof de danse de jazz, faut pas t'étonner que le niveau qualitatif du battle il soit nul. Pour moi, c'est pas ça le breakdance. Pour moi, le breakdance, c'est de l'inspiration, c'est du kiff, du partage. C'est pas tous se ranger sur les mêmes critères pour gagner la même compétition qu'elle ait lieu en Chine, en France ou à New York. Quoi. Le break, c'est comme des échecs. Hein. Enfin, un battle. Le break en lui-même, quand t'es dans un circuit, t'amuses. Tu fais du freestyle, tu fais n'importe quoi, des fois ça donne quelque chose, des fois ça donne rien, mais bon. Tu vois, c'est pas la même. Mais dans un battle, c'est super stratégique, c'est comme aux échecs. Hein. Mm-hmm. Tu places pas tes pions n'importe où, comme ça, faut réfléchir, faut. C'est ça qui te fait gagner un battle. T'auras beau être un super danseur en battle, tu peux être nul sur un plateau, et t'auras beau être super fort sur un plateau, tu peux être nul en battle. L'un n'est pas synonyme de réussite dans l'autre, et ainsi de suite. Donc voilà. Pouvoir faire en sorte de pouvoir mettre les gens dans une vibe où ils voient pas une compétition avec des mecs qui se charcutent, tu vois, et ils disent ouais, c'était mortel, mais j'ai compris l'esprit, il faut que les gens puissent comprendre l'esprit du break. Parce que s'ils voient et qu'ils voient qu'une compétition, ils peuvent ne rien comprendre du tout et puis se dire ouais, c'est vachement violent. Tu peux t'enrichir de beaucoup de choses dans la danse, le break ne suffit pas à enrichir le break. Il faut vraiment que tu ouvres ta vision et que tu puisses aller voir dans plein de domaines différents. C'est vrai que je rappe aussi. Toute l'originalité aussi qu'on a dans la danse, à trouver des mouvements, trouver des jeux de mots, trouver des nouveaux flows, que ce soit dans le rap ou dans le break, pour moi c'est pareil quoi. Et puis ça se complète quoi. Le hip-hop c'est quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui se fait. On va pas rapper pour faire plaisir aux gens, on va rapper parce qu'il y a des choses qu'on doit dire et qui doivent être entendues. Après si on arrive à faire kiffer les gens, tant mieux. Mais à la base, il faut quand même être porteur de messages et porteur de valeurs et le break c'est... voilà. Le break, c'est ça, faut pas oublier. Dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de graffeurs, de rappeurs, et ça risque de devenir un peu plus compliqué dans le futur, puisque on s'aperçoit que chaque élément devient de plus en plus indépendant. Par contre, les b-boys, les breakers, c'est vraiment les gens qui sont le plus dans l'esprit hip-hop. Ce que j'aimerais dire aux générations futures, c'est que vraiment, la danse, c'est fait pour avoir du fun. Si chaque jour tu viens à l'entraînement et que tu kiffes pas, faut que tu arrêtes. À force de vouloir être hyper technique, ils vont arrêter de kiffer. Leurs entraînements, ça va être comme des entraînements d'haltérophile, tu vois. Ils vont refaire le même move, ils vont en chier, ils vont pas être contents, ils vont être frustrés, tout ça. Puis ils vont rentrer chez eux frustrés, les mecs. Parce qu'ils veulent faire comme lui. Non, il y a un seul truc à faire, c'est kiffer. Et en kiffant, tu vas te mettre des challenges toi-même, tu vas délirer et puis tu vas créer ta propre danse. Donc c'est le conseil que je donnerai à tout le monde. Il faut se fédérer autour de groupes, parce que c'est l'émulation dans un groupe, l'émulation. C'est-à-dire l'union fait la force. C'est-à-dire que moi, dans KLP, il y avait Karim et Nabi, tu vois, les mecs, dès que je m'entraînais avec eux, ils étaient mon grand influencé. Tu vois, mon frère, Sofiane, il faisait des moves que je pouvais pas faire ou autre, et ça m'a toujours poussé. Ils m'ont toujours aidé à m'améliorer. Avoir un groupe, c'est ta principale force. Tu peux danser tout seul, mais tu ne seras jamais aussi fort que si tu fais partie d'un groupe. La plupart des jeunes de Nantes, je vois, ils s'entraînent tous ensemble, mais il n'y a pas de groupe. Moi, j'ai envie de te dire même, détestez-vous entre vous. Faites deux groupes et insultez-vous. Et vous allez voir, dans un an, vous allez progresser grave. Parce que vous allez vouloir vous défoncer les uns les autres en battle. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on vous met sous les yeux sur Internet. Il faut trouver ce que tu as au fond de toi, quoi. T'es pas obligé de suivre ce qu'on te dit, soi-disant que tout le monde est d'accord là-dessus. Parce que finalement, tu t'apercevras bien vite, si tu creuses, que c'est juste des incompréhensions qui se mettent d'accord.
Ouais, les dédicaces. À quel... à tout le... à... je lâche devant la... enfin, je peux te continuer de te regarder. Ma famille. Aziz, Star. Les dédicaces à Yasmine. Radouane Ramani. KLP, tous les membres. Je les porte dans mon cœur. Tous les danseurs mentaires. Supreme Beings. À ma famille. Non, je recommence. Dédicace à ma chérie. KLP. Samir Ramani. Dédicace à HB2. Enfin, j'ai pas envie d'oublier des gens. Mon Blanche-Fleur. Dédicace à mon filleul Maël. J'espère bien qu'un jour tu danseras et qu'on te retrouvera probablement sur une de ses vidéos. Donc, je c'est ça filme, hein. À tous les élèves. Karim, Mohamed, Nagrom. James the Forrocker. Bah, ils l'ont dit, les gars, peut-être, non? C'est West. Dédicace à tous les professionnels qui nous ont aidés depuis le début dans ce secteur d'activité. Ah merde, la famille, je l'ai dit, de toute façon, c'est bon. Attends, en plus, il y a un ordre, tu vois, les gens, ils vont se dire si je mets lui en A, ça veut dire qu'ils me préfèrent pas, tu vois, ou je sais pas quoi. Tout le Queensbridge. Putain, j'aime pas les trucs comme ça, moi. Plus généralement, à ceux qui kiffent l'art. Mes poupées, mes poupons, ma Bourgogne, Bourgie Down. J'ai envie de dire merci à tout mon groupe. Putain, c'est difficile les dédicaces, hein. Karima aussi, au début c'est elle qui nous entraînait. Oh, oh non, j'ai encore oublié, mais non, mais c'est trop dur, faut que je les note sur un papier, les gars. Ouais, c'est pas grave, je les balance, vous mixerez. Toute la nouvelle génération. À Breakfast Room, mon premier crew. Et puis tous les danseurs de Nantes qui font évoluer le mouvement et tous les danseurs de France. Supreme Beings, à Fusion Rockers, à Lunatics, tous mes potes, les Blanche-Leurs. Mes respects à tous les gens qui ont soutenu KLP. Si j'en oublie un, se revoir en lui. Et voilà, dédicace à Jolie Môme. Peace. A bientôt, merci à vous. KLP, c'est un groupe. Voilà, c'est une bande de potes. Point.